Salut Gauthier, nouveau dossier, nouvelle enquête. Alors c'est l'un des pronoms les plus indéfinis de la grammaire française. Tu connais la fameuse phrase « on dit » ? Bah le « on », ce pronom au fonctionnement intra-psychique si résilient, bah personne n'a encore trouvé son identité. C'est fou, hein ? En tout cas, il est accusé de créer la confusion et l'incertitude dans la tête des gens au quotidien. Mais qui est-ce donc ? Qui est ce fameux « on » ? Nous allons tenter de le trouver. Mon micro, mon cache-nez et je suis bon. Ok, bonsoir. Nous sommes à la recherche de on. Il dit loin, vieux. Comment ça va, on c'est qui, hein? On c'est en niveau on. Il dit on. Ah, de on. Aïe, on. Aïe. Voilà, on ici, nous sommes tous là. Comment ça? Quand on dit on, ça signifie plusieurs personnes, voilà. C'est pas une personne? Non, c'est pas une personne. On dit quoi, on nous a dit. Aïe. Mais on dit quoi alors? On dit rien. Si on a dit quoi, c'est qu'il dit forcément quelque chose. Nous sommes à la recherche de on. Aïe. Bon, moi, je comprends rien. Cherchez. On, c'est un pronom personnel. Nous sommes à la recherche de on. Voilà, on ici. Non, mais ça, c'est nous qui l'avons mis ici. Mais il est où, là, maintenant, dans la vraie vie? Mais on, moi, je suis on aussi. Toi, tu es on. On dit. Qui dit? On dit. Tu es on. Lui, il est on. Ce sont les gens qui ont dit. Mais c'est qui, ces gens? On, là. C'est un pronom, on ne peut pas dire. On là, on dit, on dit, on sait pas qui est on. Qui a dit? C'est toi qui dis, tu cherches on, je sais pas qui est on. On dit, mais qui a dit? C'est l'homme qui dit. Qui est donc l'homme? Moi, toi. Mais moi je m'appelle pas on, je m'appelle Henri. Ah, moi c'est Ben. Et qui est on? Tu peux le dire, moi je peux le dire. Mais moi j'ai pas dit, c'est on qui a dit. C'est vraiment bizarre. On, c'est un pronom indéfini. Ce qui veut dire? Quelqu'un, n'importe qui. Donc vous? On, en général, c'est les autres, c'est autrui. Qui est autrui? Autrui, c'est les autres. C'est qui les autres? C'est ceux à qui vous n'appartenez pas. C'est qui ceux à qui on n'appartient pas? C'est un groupe de personnes à qui vous n'appartenez pas. Aïe! C'est qui ce groupe de personnes à qui nous n'appartenons pas? C'est normal! C'est normal! Nous retenons de cette histoire que on, ça peut être toi, sans moi, ou moi, sans toi, ou nous, sans eux, eux en même temps que nous, et nous et... Bref. On dit aussi que... Ah tchè. Moi, je ne connais pas O, hein, mais je connais Gomane. Aïe! Assieds-toi, tu vas voir. Je ne comprends pas le rapport avec Gomane, en fait. On a regardé l'émission. Tu étais assis avec qui, là, ton... Boris. Boris. Non, on ne connaît pas O. Demande à Boris s'il connaît O. Puis tu nous fais signe.